Bonjour à toutes et à tous, c'est SuperNes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, je vous dis ça à chaque vidéo parce que de toute façon je fais que des trucs spéciaux, en effet. Du coup, aujourd'hui, on est durant l'événement Tekken Benelux Championship que je co-organise. Tekken. Oh, nul. Alors, du coup... Ah, c'est pas le bon jeu. Du coup, on est... Je fais jamais pas faire Stam, quoi. Ouais, pas mal. Alors, du coup... Yes! Je vous avais dit que j'allais arrêter d'être dépressif. Du coup, je co-organise cet événement avec Bandai Namco et Brussels Challenge. Et on a l'occasion de pouvoir jouer à Tekken 7 sur grand écran. Ouais, c'est incroyable. Bon, pour Yves ici, il a un écran pareil à la maison, donc c'est pas hyper différent pour lui. Il est pas plus petit que celui que t'as à la maison. Du coup, voilà. On va pouvoir jouer à ça. Je pense que c'était un rêve de ouf de pouvoir jouer un jour dans sa life dans un cinéma. C'est pour ça que je l'ai installé. Voilà, c'est pour ça qu'il a ramené un cinéma là-dedans. Mais il joue pas, il a pas le temps. Non. Du coup, voilà, c'est pas ouf. Du coup, on va jouer à Tekken. On va un peu tout ce qu'il fait. Voilà, on verra qui est fort ou pas. Par contre, j'ai oublié de faire un truc super important et c'est bien parce que je viens de me le rappeler. Et je vais faire ça tout de suite. Et donc, du coup, je coupe la vidéo tout de suite. Du coup, on reprend, c'est réglé. L'écran là est occupé à être enregistré. Merci aux personnes de la régie qui sont juste là, qui m'ont aidé. Parce que j'avais carrément oublié et ça aurait été encore une fois une vidéo filmée pour des... Alors on commence Du coup, on est sur Akuma direct, donc pour bien prouver qu'au final de Hadouken que tu as dit là tout à l'heure, il était bon puisque Akuma maintenant est dans l'histoire de Tekken. C'est qui le riff là? Et Yashida, frère, il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon grand-père. J'allais dire, on dirait déjà un riff. Donc est-ce que ton grand-père était riff? Et il frappe toute personne comme mon grand-père faisait aussi. Donc c'est parfait. Avec des flashs. Mais du coup, c'est juste pour une question. Attends. Frère, il y a full joueur de Street Fighter. Attends, parce que là maintenant, moi je. Non, mais dis-moi que c'est. Il y a Ken en bas. Ok, il a pris une sorcière marocaine. C'est toi là ou c'est moi? Attends. Non, c'est pas moi. Ok. Zafine. Je reviens vite fait parce que ça a sélectionné sans que Yves, d'ailleurs, est-ce que c'est ton style Zafine. De musique? Parce qu'on dirait que c'est les musiques un peu Matrix compagnie dans les boîtes de nuit très dark et tout. Tu kiffes ce son? Non. Ok. Alors attends, il y a un problème parce que du coup, j'arrive pas à être. Ah ouais, c'est toi alors. Ok. Descends. Il a une manette sur Nintendo. C'est plus facile maintenant. Voilà. Ça, pourtant, il était bien fait pour PS4. Hein. Franchement, t'as cru PS4 c'était la Super Nintendo ou quoi? Je sais pas. T'as arrêté de jouer à la Play il y a très longtemps. Bah oui. La dernière que j'avais, c'est PS1. PS4, il y avait de Last of Us 2 quand même. Frère. Oh, il y a Negan. Ouais, il y a Negan. Voilà. Sans perso. Voilà. Mec, moi, juste une question. Mec, on dirait pas truc. C'est le type de le moyen, moi, j'ai pris. Là, Andrew Tate. Ouais, c'est Andrew Tate. Quand il a harob, il a harob en série. Attends, attends. Est-ce qu'il y a des gens qui vous rappellent quelqu'un? Parce que comme ça, on va le faire directement. Est-ce qu'on va aller dans l'ordre pour aller examiner les persos? Allez, jouons à bande de fous. Ok. Déjà, lui, il est stylé. Ah, moi, j'aime bien le perso. Mais lui, c'est un portier à fou. Marduk, c'est ce que serait un turc qui sait dire un fille, une garçon. Andrew Tate. Hey, Claudio. Moi, je prends. Claudio, c'est le mec qui faisait de la mode, il a arrêté. Moi, je prends le gars du Qatar. Ouais. Je prends World Cup 2022. C'est vraiment Andrew Tate. Exactement, je prends Qatar. Leroy. Et là, t'es obligé de prendre, t'es obligé. Il y a des trucs de Walking Dead. Ouais, Negan. Lui, il en différait, lui. Attends, puis ça on l'a dit il y a 20 minutes, Negan. Non, mais nous on disait Negan parce que genre Negan. Ah ouais, mais c'est ça. Ça va aller, Yannick, ça va aller. Moi je suis blanc. Ça fait longtemps qu'il est pas sorti de la jungle. Les blancs ne peuvent pas aller jusqu'à la lettre G dans Negan. Il a atteint l'épilepsie quand il mesure. Ah, c'est ça alors. Alors, je dis tout de suite, j'ai joué ce jeu quand il est sorti, je pense que c'était en 84. Frère, j'ai jamais joué. Est-ce qu'on peut commenter votre partie? À Tekken tout court. Non, j'ai joué une fois. Est-ce qu'on peut commenter votre partie, Yves et Younes? C'est tellement... Quoi? On peut commenter votre partie? Bien sûr, bien sûr. Ok. Tekken 1. Alors... Laisse l'intro. J'ai pas l'intention de sortir de la prison. Oh! C'est ça? Et... Porte de Namur. On représente Molem vs Porte de Namur. Molem vs Maton. Ah, on a vu les deux têtes. Hey, c'est moi le commentaire. Les deux, commentaire. Les deux on est parti. On a fui. Attends, les commentaires. Attends, parce qu'en plus, il y a un lag entre ce que je fais et ce qui se passe. Tu vois. Alors, à ma gauche, nous avons. C'est Eddy plus vieux ou c'est quoi? Non, Eddy, il est aussi là. Ah, ok. Alors, à ma gauche, nous avons. C'est normal, ça lag. Donc, du coup, frère. Ok, c'est tout. En direct du Mont Fuji. Il y a Tarek qui a des choses à dire. Alors. Porte de Namur. Oh, Tekken Porte de Namur. Ok, il n'a pas fonctionné sur le gars de la Steam. Le gars a dit. Hey, il a un trou dans son pantalon. Attends, regarde. Okay. Ouais, j'ai vu. Et les gars, vous testez le jeu en même temps, c'est cool. Voilà. Ok. Putain, jouer à la PlayStation alors que ça lag, c'est insupportable. C'est ça, Andrew. C'est ça. Ah, là, il s'entraîne en prison. Ça, c'est la Roumanie, ça.
Oh, son foulard est tombé, c'est stylé ça. Il a fait un coming out direct, il a déjà utilisé l'islam, ça marche pas là, Aoun. Oh, porte de Namur, 1, Andrew, 0. Molem, 0. Mec, il a changé de coupe. Non, il a perdu. Il est en prison, il a pas de quoi faire là-bas. Il a perdu son turban, c'est pour ça. C'est écologique maintenant. Oh, aïe, 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 Yves, il est masse. Bien moins que c'est un gars de sa famille, il nous le disait pas. La technique du Khorto Ahmed, voilà, c'est bon. Oh là là, la technique de la cigogne. Ok, apparemment, Younes connaît 2-3 techniques qu'il n'était pas dit. Pas du tout. Il reste exactement... Oh, dégage. Faudrait un slow-mo de cette partie. Attends, il y a quand même... Back. C'est la troisième manche. Est-ce que Yves va la remporter et que Vietnam versus... Alors, ok, Younes, il en spread. Déjà, il n'attend pas. En sachant comment Fuji est exactement 22h. Ça même. Il y a des gens qui sont entraînés avant la vidéo. Le gars qui n'a pas compris. Le mec Non, merde. Le mec est venu à 6h du matin au Dogs pour s'entraîner. Il n'a rien dit. Ok, Andrew est fâché. Il croit que c'est Greta Thunberg. Okay. Il croit que c'est Greta Thunberg. J'ai aimé le comeback. Est-ce qu'il y aura une remontada vers son Tekken 7? Oh là là, pas de temps, pas de pitié pour les croissants. Directement gauche, droite, kick, high kick, feinte, double feinte. Il n'y a pas. Ok, les lunettes sont toujours pas tombées. Vous pouvez admirer le style de Vietnam. Extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Yves l'a dit, je t'ai laissé une manche, je ne te laisserai pas une deuxième. Protection ultime des bizarres. Ouh là là. Attends, parce que je sais même pas c'est quoi la protection. Ah voilà, c'est bon. Protection, c'est... Ouh dit... Petite précision pour les protections utilisées du Rex, ça peut vous sauver. Amenez les bananes plantains. Suivant. Viens par ici, Sugar. Alors, est-ce qu'il y a des protections que vous pouvez nous filer ou pas? Y'a rien, frère. Y'a rien? Bonne chance, revanche. Attends, revanche. Non, j'allais faire... Mais frère, un débutant de merde. Mais je joue à PS5, moi je suis dans le futur, je sais pas comment ça se passe ici. Il est passé de la N-Gage, le Nokia. Non, je vais pas jouer avec N-Gage. Alors tiens, N-Gage. Vous allez à le truc, vous allez changer. Un petit précision, respect à la PS5 parce que cette manette, elle est dégueulasse. J'ai l'impression de tenir un chip. Parle bien. Non, parle respect bien. À la PS4. Oh. Mais voilà, il y a un moment, il faut voir devant et pas derrière. Ouais. Vive la PS3. Ok, bah vive la Game Boy alors. Mais sous, ramenez-moi une Game vive Boy. Vive le Nokia N-Gage. Jouons à Snake 3310. Nokia N-Gage. Le Nokia où tu pouvais jouer là, frère. Il y a une batterie qui est faible, c'est sûrement la blanche, pas grave après. Regarde les gens, ils jouent pas à tes cas. J'avoue que je suis un amoureux de Street Fighter. Vas-y, toi. Moi j'en peux, je suis prêt. Il y a Noctis, Final Fantasy 15 à fou. Il y a Noctis en haut. Non, pas Club View, Il y a Noctis, mon frère. Final Fantasy 15. King. D'ailleurs, tu pars d'un bus ou bien? Frère, non, c'est le mec de Final Fantasy 15. Il va prendre ça, Yves, c'est mort, frère. Il y a Final Fantasy. Ça joue avec les flèches ou comment? C'est bon. Tekken, je suis nul. Il y a un personnage K-pop. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Je suis nul à Tekken. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a pas aimé Final Fantasy 15. Ouais, c'est un tic-tac. Ouais. C'est leur problème. Je rigole. Non, je voulais le dire de cette manière-là exprès dans ma vidéo. Parce que quand j'ai posé la tarma, il y a personne qui m'a pris. Je ne correspondais pas au profil. Waouh, ils ont vraiment dit ça. Ouais. Shalom, on laisse un bip. Ouais, je m'en bats les steaks, quoi. Ah, il est fâché, lui. J'espère que vous kiffez cette vidéo, elle va dans tous les sens, mais il y a des magnifiques commentaires. Envoie des messages. Il peut pas, normalement, les stars de K-pop, ils ont pas accès au téléphone. Ah ouais. Ouh. Ah, ça se protège, là. Hé, hey, frère, le calme depuis qu'il joue. Ah, frère, bah oui, concentré. Hey, il joue Akuma, il est retake dans le jeu, normalement. Mais tu dois jouer comme un Street Fighter, ça tu sais. Mec, en fait, faut mettre une caméra sur sa main. Sur sa main, ouais, là, je suis 8 ans, là. C'est fini. Waouh. Oh là là. Attention. Oh, Akuma a voulu prendre. Il a failli te faire sentir ses aisselles, à fou. Oh, là. Noctis, il a plus de charisme que dans son propre jeu, à fou. Franchement, il y a du level ici. Ah ouais. C'est un bon bac. Oh là là. Bien, ça m'a rassemblé en chaîne. Hey, Noctis, il a plus de charisme que dans son jeu. T'as presque voulu recommencer Final Fantasy, hein. Mais non, et puis la merde. Ah, oula. Oh là là. Get over ça, here! Ouais, voilà, c'est ça! même le stage, c'est. Vas-y, Akuma, prends un. Hey, ton Akuma, il a pas pris son thé le matin. Mais... Ah, ok. Il est en ramadan ou... Ouais, Akuma, il est en ramadan. Non, c'est dans 2 mois, dédicace à tous les musulmans. Oh là là! Oh là là! Yves, c'est chaud, hein! Yves!
Yves, c'est très très chaud. Oh là là. Yves, il va s'inscrire. Oh, oh. Yes. Bravo. Félicitations, Shalom. Mais ça tue. Le sang, il part vite à Akuma. Ouh. Akuma, quand il frappe, c'est vraiment hors tech. Ok, Yves, il a compris une des spéciales, mon frère. Ouais, en fait, on a tous une base commune, tu vois ce que je veux dire? Street Fighter. Voilà, les arcs de cerf. Parce que même Tekken, quand je jouais beaucoup à Tekken, j'ai trop kiffé Tekken 6. Je l'ai tué, Tekken 6. Okay. Mais, frère, deuxième fois, c'est très compliqué les combos. Ok, j'ai réussi à la placer une deuxième fois. Oh, Mise 2, volume 2. Oh là 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 là. Allez, Yves. Oh là là. Oh. Oh, oh là là. Excellent, excellent. Là, je me suis senti comme le PSG à 6-1, je peux te dire. Les gars, juste pour préciser, on est en train de jouer à Tekken avec deux personnages qui sont même pas de Tekken. Si je pouvais prendre un perso de King Kong, je l'aurais pris. Oh là là. Là, il t'a pris comme un aumônier, genre je veux ton téléphone. Il t'a mis au sol, il t'a frappé dur. Ah, c'est très tech, hein. Heureusement que tu n'auras plus de personnages comme ça, parce que ça change un peu la vie. Ouais, ça change. Negan, il est excellent à jouer. Hein. J'ai vu, ça a l'air vraiment pas mal. J'enlève ma bague. Bien. Moi, je veux voir la spéciale de Noctis. On veut la spéciale. Oh. Mais je pense que t'aurais pas pu te protéger, je pense. Si tu sautes pas sur ça, c'est d'être protégé, c'est d'être... Ah, il y a encore. Oh. 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 Final round. Ah, Yves, c'est fini, il est en Conor McGregor, il te serre pas la main, frère. C'est mon feu. Là, il a le seum, là. Frérot, Akuma, il transpire. Tu sais que c'est chaud, c'est que t'es bon. Il a Akuma, là. Quel handicap. Tu me donnes des coups de poing, donne ton épée. Donne ton épée. Oh, oh, ça c'est du combo. Ah, frangin, tu commences à faire tes coups là, des shimkar à fou. Tu t'es mis au sol, tu mettais. C'est quoi ça enroule? Tu nous as fait une démarre. Oh là 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 là. Frérot, t'es venu régler des problèmes. T'as vu ton psy avant ou tu t'es dit ça va être il était là à 5h du matin, il a ouvert les magasins avec Fidio HM. Bien joué, tranquille, c'est bon. Tiens. Descendre. Changer de personnage. Bien vu. C'est que la ah non, j'ai fait ton mec. Attends. Ah, tu m'as rempli le téléphone. Merci. Moi ? Là, je voulais faire quoi ? J'ai coupé les mecs. Comment ? Ouais, tu peux. Quelqu'un. Tu peux mettre ton visage. À droite, à gauche, il y a la tête de Yves, gros. Le sérieux de Yves dans les combats. Je sais pas. Frère, tu vois, quand t'as plus touché, je vais travailler chez Starbucks. L'écran va bien plus vite. Frère, laisse tomber. Après ça, il y a Nordine. Le boss final. Il y a Nordine. Ensuite, vous deux, juste ici. Toi aussi ? Chaud. Vas-y. Yves, c'était un très bon combat. Bien joué. Ah, en fait, il y a un décalage. T'as gagné quoi ? Ouais, 3-2. C'est ça, il y a un lag. Hein ? 3-2. Ah, moi, je peux pas. Ah, Yves, les gars, Yves, il est chaud. Hein. Ouais, ouais. Franchement, si Yves, il gagne, il faut qu'on voit ce qu'il donne face au plus fort du tournoi, juste pour voir. Bon, on voulait pas dire, mais Yves est arrivé à la même heure que les vendeurs du HM. Miguel. Oh, Negan comme Miguel. Prends Bob à fou. C'est qui le gros? En fait, je crois qu'il faut que. A priori, d'après The Walking Dead, il faut qu'Yves prenne un Asiatique. Ah ouais, mais il va mourir. Il a un truc contre les Asiates. Donc je crois qu'il faut que tu prennes un Asiate. C'est Paul ça. Comment il s'appelle l'acteur là qu'il avait fait avec Leonardo DiCaprio dans Wall Street là? Ouais, Jonas. C'est lui non? Jonas. Ah ouais, l'autre là qui est pas drôle là, je déteste à fond. Il n'y a plus O'Hara. Si, O'Hara, il est là. Il est là, juste au-dessus. Ah non, c'est Lee. Comme ça, vous savez, le champion va prendre le pendant, il va vous herder. Il n'y a plus O'Hara. Mec, Eddie, quel style? Ah, c'est il est là-bas ou Arang avec le cachet? On dirait que c'est son fils. Il est plus roux. Avec le cachet. Ouais, cachet, voilà. Il est plus roux. Ah, il a juste la mèche. Eddie, ah, les gens, ils grandissent, tu vois comment. T'as vu la vidéo du mec qui s'habille comme ça? Moi, je suis resté sur Tekken 2. les teintures, c'est que pour les jeunes. Quand ils grandissent en Asie, c'est bien, ils doivent remettre leurs cheveux noirs et tout. Mais c'est vrai. Quand ils grandissent, ils doivent rentrer dans le moule, cheveux noirs, fin de l'histoire, frère. Mon protégé, c'est en arrière, c'est ça? J'ai cru comprendre. Je pense que c'est triangle. Tu penses?
Inès, t'as vu ça en arrière? Alors c'est en arrière. Le mec qui s'en fait comédie? Ouais, c'est en arrière. Ouais, oh, ouais, j'ai vu. Ouais, c'est en arrière. Eh, hey, Oharang, c'était vraiment magnifique. Ah, j'adorais. Ah, il est incroyable. Il y avait son maître, Beck. Incroyable. Oh là là, Negan. Sans le perso. Il est mal fait. C'est Negan. PS4, frère, PS4. Ouais, dans la PS5, c'est le... Oharang, mon frère. Les spéciales de trucs. Mais Negan, c'est... pas en arrière. Si, si. Moi, ah oui, le problème d'Oharang, c'est ça aussi, quand il fait des feintes. T'as envie de taper, le gars, il fait une feinte. Il se place, en fait, c'est les placements de jambes. Eh, hey, mec, donne-moi 2 minutes pour... Non, frère. C'est ça le privilège d'être un gagnant. Oh là là! Yannick, il a cru que c'était un workshop. Oh là là! Yannick, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je teste mes boutons. En fait, il a l'habitude de s'entraîner contre des zombies. Vas-y. Il a l'habitude contre les zombies. Ah, il est lent. Negan, il est lent, mon frère. Mec. Oh, mais s'il tape, je crois qu'il fait mal. Sûrement. Oh, hey, Yannick, c'est pas des zombies. Hein. Ils viennent plus rapidement, ils réfléchissent. Franchement, Oharang, quel manque de respect. Il se tape avec la veste sur les épaules. C'est pour dire ça, mec, j'ai plus besoin. Ça, frère, waouh. Ça, il y a qu'un mec des années 80 pour faire ça. Mec, je suis tellement busy. Yannick, ça va aller, voilà, ça va aller. Voilà, ça va aller. Il y a le stress aussi. Oh, ah, ils ont monté ça sur le toit. C'est le Hagra sur le toit maintenant. Pas grave, moi j'ai une copine. Oh là là. Il y a les attaques personnelles. Il a dit pas grave, moi j'ai une copine. Après, je dois utiliser des armes. Oh, il se réveille. Oh, il a vu le sang qu'il enlève, je t'avais dit. Hein, si, il est long. Oh là là. Il t'a donné 2 coups, ouais, ça ouais, prend fort. Si il tape, il fait mal. Mais oh là là. Negan, ça va un peu trop Mortal Kombat, non? Oui, c'est dans ce jeu-là qu'il aurait dû être, moi, pour moi, Negan. Parce qu'ils ont mis des Yoda et compagnie dans... Ah, c'est dans son calibre. Allez. Wouah. Non. Mec. Mais dans son spécial, il est là, genre. Il a triste, c'est pas grave. Il a mis revanche direct. Il a mis les petits, là. Ah non, c'est l'ordi, attends. Pour la prochaine de Yannick, on va lui faire comme quand on était petit, on lui met un câble, on lui fait voir qu'il joue. Quel bâtard, il a dit, on fait comme quand on était petit. Ouais, c'est encore toi, mais ça fait la centième, t'inquiète. C'est bien. Encore toi. Je suis mort à fou. On lui met une manette Super Nintendo dans la vidéo et tout. Putain, je joue trop bien. Tu sais trop bien. T'as vu, il y a un bruit, on dirait un truc qui tombe. Mais ouais, c'est ça en fait. Ouais, j'ai eu ça à chaque fois. Mais là, attends, moi je regarde, je crois le micro. Et là, il est bien fait. Mais la caméra, elle s'est allumée pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle chauffe, normalement. Parce que Nordin, c'est pas 4K, prends le panda, voilà. Parce que parfois, il y a une limite. Yeah, il est fort. Mais hein. Il y a plus sur ces caméras-là. Je te jure, il est fort. Il y a plus de limite. Tu sais qu'il faut prendre, Nordin? Il faut prendre Jack, il est casse-couille. Tout à droite, le robot. Ah ouais. À droite, avec l'Iroquois, non, avec l'Iroquois. En haut, à droite, encore. Voilà. Jack 7. C'est tout, en fait, Younes, il a un level up maintenant, il s'en fait influenceur. Là, il y a la caméra là, mais aussi les mecs qui filment la caméra, qui nous filment. Qui filment la caméra, voilà, qui filme. Voilà. C'est Inception, Inception YouTube. Inception, ouais. Instagram. Avec des charons. Voilà. Jack 7. Alors, il faut dire que là, on est en train de jouer à Tekken avec des personnes qui ont au minimum 30 ans, 31 ans. Donc là, c'est bien, ça vous prouve à quel point Tekken, c'est familial. C'est pour vos parents et vos grands-parents. Ça prouve aussi qu'on a connu l'âge d'or aussi de ces jeux. Comme ça, vous voyez. Et après, il y a les jeunes qui vont venir pour nous taper, parce que bien entendu, eux, ils jouent encore à ça. Parce que nous, on a l'argent d'acheter d'autres jeux. C'est Francky, Jack. T'as entendu? Nous, on a l'argent d'acheter d'autres jeux, donc eux, ils restent sur le même jeu. Ok, il y a Yves qui a pris King, dédicace à One Piece. Donc là, ah ouais, c'est ça, King contre King Frankie. Contre Frankie. Ouais, non. Oh là là, ça commence. Oh là là, ça part en Khabib. C'est pas un Frankie, ça, on dirait un bel anime sorti de la place Linz à 3 autres matchs. On dirait un ça, c'est un, ça, c'est un skinhead de fin années 80, frère. Ah, frère, ça, c'est. Petit laser. Ah, frère, il a sorti les lasers et tout, il a pris Devil Jin, mon frère. Oh là là, rappelez-vous un truc, hein, que là les personnages de base c'est ceux qu'on devait débloquer avant. Ouais, pour vous dire bah là, à quel point le jeu il est cheaté de ouf. Ok. Oh là là. Il se couche après, il est vraiment scrap. Ouh, bien joué. Oh là là. Ok, Norden, il faut préciser qu'il est dans 59, donc il a vu l'essence du jeu. Angel Jin aussi, non? Comment? Il avait une version Angel. Non, c'était directement ça, sauf qu'il n'était pas aussi... Ouais, il le maîtrisait pas, en fait, ouais. Il le maîtrisait pas. Eh, pas mal, c'est dans Tekken 3, je crois qu'on voyait en plus pour la première fois. Ok. Maintenant, okay. On va dire la vérité, Norden a joué okay. Un Tekken sur PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Frère, je suis encore à PS3, moi. Ah ouais. Norden, il a dit, putain, ça a changé depuis Pong.
On s'en championne Nordin. Le match il a terminé. Nordin a sorti une pièce. Il y avait quel jeu? Comment un burger et un milkshake s'il vous plaît? Frère, moi c'est double bubble. Frère, il a sorti une pièce, il voulait mettre dans l'arcade. C'était quoi encore le jeu où tu pouvais jeter quelqu'un du toit, il tombait jusqu'en bas? Dead or Alive. C'était Dead or Alive. C'était un autre. C'était le truc le premier là. Ouais, ouais. Dead or Alive. Virtua Fighter? Non, l'autre. Instinct. Un truc avec Instinct. Killer Instinct. C'est sur Xbox ça. Sur Killer Instinct, tu sais les jeter du truc. Ouais, mais moi je suis pas sûr parce que c'est sur Xbox. Moi j'ai joué, c'est pas Nintendo. Ou alors il y a Bloody Roar. Non, c'est sur Killer Instinct. Bloody Roar, t'as joué à ça? Non. Tu te transformes en animal et tout. Next. Non. C'est qui? Ok, l'humilité du champion Pac-Man. Bien sûr. Ah, il s'est chauffé, t'as vu? C'est un joueur. Non, je pense pas tant que ça. Je pense qu'il est bon, mais. Non, parce qu'il voulait participer au truc, il a vu la tête, il a dit hier. Il n'a pas participé à cause de ça. Viens ici, Glenn. Mais ça lag. Hein. Attends, mets-toi à la place de l'ordi. Ça, l'ordi est juste à côté. Ouais, ça lag un peu. J'aime. J'ai assez kiffé. Ouais, ça lag fort. Oh, ça commence à changer les tenues, c'est qui? Ah ouais! C'est bon, ouais. Glenn il est venu! Ok! Bon, c'est le fini mec, pour il nous. L'a ramené au HM, il a dit frère, t'as nous, on va aller boire un café. On va aller boire un café. Ouais, c'est ça. Lui, il a dit, je suis en extérieur. Tu joues à FIFA et compagnie? Tu joues à FIFA? T'es le genre à changer des mecs qu'on n'a jamais entendu parler, tu ramènes banquette 1, banquette 2, banquette 3. Ben, il faut jouer en manager, mon frère. Oui, hey, pour les deux. Ça, j'ai dit, c'était pas une pique. Parce que c'est des mecs, quand tu dis ouais. Il a pris Warang, il lui a changé son slip. Gros, c'est que le slip. Frère, il a mis un code promo, il a ramené la brésilienne là, sur les émissions de télé, il a dit, on va tuner un peu. Ah non, ça va pas, ma chérie, ça c'est quoi ce style? Mais comment ça fait cette gueule? Christina Cordula. Christina Cordula pour ta gueule, frère, laisse tomber. Non, ça va pas, les jeans. Jouez, il a dit, les jeans, c'est pas possible. Non, ça c'est pas bon, ma chérie, allez, on y va. Waouh, quand même. C'est pas le perso. Attends, c'est qui ça, fou? C'est pas le perso du truc du juste sur Xbox là. Tu parles de BioShock. BioShock, c'est pas lui. Frère, on a trop. Laissez-nous prendre. Ah, il a ramené le classique en rang. On dirait un. Ah, c'est celui de Batman, non? C'est Bane. C'est Bane, ouais. C'est Bane en. Bum, c'est le Bum. Ok, protection. Qui en fait? Il a juste marché. Il a juste marché. Oui, mais il a marché en se protégeant. Comme quoi, faut tout être couvert. Yves, c'est Gigas, ouais. Oh, Glenn. Glenn, oh là là, frère, il est face à. Oh, il t'a dit viens, on va swim, il t'a dit. Il l'a emmené sur la plage à Tétouan, il lui a dit on va le louer un peu dans l'eau. Purée, regarde-moi ça. Ok, il y a des mecs qui ont fait 3 tournois taekwondo, il est là, ils y a. Ok, il est chaud. Il était inscrit à Molenbeek FC. Oh là là. Frère, excellent. Mais on est d'accord que c'est toi. On est. Mais j'ai aimé la prestance en mode c'est normal. Ça c'est non. Ok. Ah, derrière ça rigole. Ça se voit que Glenn il a des mimiques quand il commence à gagner. Ok, je vais le capter. Glenn il joue avec un pouce. Maintenant il va sortir le deuxième doigt. Oh, il a sorti le deuxième doigt. Frère, waouh. Glenn pour l'instant joue sur les mains. Oh là là. Mais frère. En fait, le personnage. Mais attends, stop. Parce que Glenn il a choisi Oarang Corée du Nord. Il a pas pris la version Corée du Sud. Non, c'est pas Corée du Nord, il avait pas la coupe bol de Sangwan en 83. La légende dit que Glenn, pour l'instant, jouait sans les mains. Frère, c'est chaud, hein. Eh, okay. Yves, il se défend. Ouais, Yves, il est là. Il est masse. Vas-y, Yves. Yves, il est sorti. Vas-y, Yves, allez. Il n'y a pas de poids. Oh, non, Yves. ça va pas. Yves pour Vegapunk. Oh, ok, Yves pour Vegapunk, il a dit. Je vais faire des commentaires, je crois, pour les prochains tournois Tekken, ça va partir en fou. Vas-y, Yves. Allez, la légende dit que c'est le même. Commandant Cousteau. Oh là là! C'est ça même. Est-ce que Giga serait le fils du commandant Cousteau qui serait revenu à la vie? Il a du level en chat. Ouais, Miek. Il est venu à 6h du mat, frère. Il a ouvert. Oh, il t'a dit laisse-moi passer. Franja, Yves, il a des cousins, c'est des geeks, ils font des jeux vidéo. Donc il était obligé d'être bon à fou. Frère, c'est chaud. C'est vraiment c'est chaud. Un bon là. Combat, hein. Allez. Allez, Yves, allez. Yves, allez. Oh! Oh! Allez! Oh! Là. Les gars, il y a des vrais joueurs à droite, ils doivent vomir en nous regardant.
C'est un mode sec. Je vais dire que je suis un peu déçu de Glenn parce que je l'ai vu arriver avec un Durag en mode training day. Je me suis dit, lui, c'est vrai que Glenn il est venu en training day. Oh là là. Ta frère est. Oh. Bro. Oh là là. Allez, allez. Comment tu vas te protéger? Oh. Bravo Glenn. Bravo Glenn. Mais c'est difficile avec le lag. Daryl. Ouais. Il y a un lag de fou, hein. Donc en gros, il a gagné, mais il a analysé les trucs. Les gars, sautez d'une place. Ça, on met juste Daryl ici. T'inquiète, les gars. Glenn, j'espère que t'as assez kiffé. Mets-toi là, mets-toi là. Daryl, viens. Ouais, ouais, fais le tour. Ah ouais, il fait un deuxième tour. C'est la vie des mystères. Alors, nous avons un rappeur du Discourse qui est venu soit pour une mixtape, je crois, il s'est trompé de vidéo. Tu étais invité sur les talk shows, là, avec tous les rappeurs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toi qui a. Comment tu t'appelles? Daryl. Daryl. C'est lui, hein. Là, c'est toi, c'est moi. Je vais commenter ce match. Il y a un lag, hein, t'as vu. Hein. Ah ouais, de fou. Il y a un lag de fou. Il y a un lag du. Attends, en plus, vous habitiez dans le même bâtiment. Ah, ok, d'accord. Bon, les gars, maintenant, il faut se battre pour. Voilà, il faut se battre pour. Qui va gagner l'immeuble? Tous les moments où il y avait trop de bruit chez le voisin. Non, non, qui va gagner l'immeuble? Notre City. Vas-y. Ah non, c'est pas toi qui. Rappelle-moi ton prénom. Daryl. Daryl. Alors, Daryl est en train de. Ok, il est en train de changer les touches. Ça veut dire qu'il est. Attends, franchement, ça change de touches, je rêve. Ouais. Daryl est en train de faire un 4-4-2 à TK. Après, remets les biens parce qu'on sait jamais. Ouais, parce qu'il a tout changé. Ouais, ouais. On va se retrouver avec lui. Il a changé de manette, il a pris une Xbox, t'as pas vu? Moi je pense que Daryl va prendre une meuf. Hein, même pas. Ah, lui, il a changé les vêtements. Si oh là tu là prends Paul, ça veut dire que tu joues attends, à Tekken. Attends, c'est quel bloc ouais, encore voilà. Si tu prends Paul, ça veut dire que tu joues à Tekken. Ah ouais, ah, les gars, ils habitent à Versailles numéro 1. Donc c'est les gars, c'est là, c'est pour être le ça, roi de Versailles. Tous les voleurs, ils sont là pour l'instant, pour aller voler chez eux, ils sont pas là maintenant. Non, ils habitent plus là. Ah, et... mais c'est pas grave, on peut aller quand même, on sait jamais s'ils sont. Donc c'est pour le bloc numéro 1, les gars, ça c'est pour le roi du bloc numéro 1. Alors, nous avons à ma gauche Daryl, qui est sponsorisé par Rough Riders ici, qui a choisi Paul et qui est le faux Ken. Rip DMX. Le Ken qui a pas été chez le coiffeur pour Einstein. Versus. Maman Glenn et qui est training day qui a pris oh, mais il est pas à l'entraînement là parce qu'il a failli ramasser par Kevin par Yves qui est venu en moto Kevin, pour dire voilà Kevin. Je viens pas de Corée du Nord. Il t'a dit Kevin à vous. Ouais, bon. Kevin. Alors premier attends, round tu tires trop sur mon truc. Premier round ici. Oh il est dégueulasse. Paul, oh. Paul, il est encore comme dans Tekken 3, les mêmes graphismes. Ouais. Il est en 2D comme ça. Paul, ouais. C'est le joueur, si tu sais pas jouer à Tekken, ouais, ouais. Aussi, c'est si tu carré, sais jouer à Tekken, c'est le plus fort du jeu. Ah, bon, alors, tu vois le Miguel. Le Miguel. Ouais. Miguel, il a un bail en un coup de tue. Mais il fait tout un truc où il marche et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est arrivé à placer ça, c'est incroyable. Oh, oh ok. Très bon comeback de la part. Ah, ok, apparemment, il doit 5 euros. Mais ça, c'est les faces quand vous aviez 12 ans, ça. Non, non, c'est pas mal, c'est pas ça mal. Ils sont tous les temps en kimono. Ça lag dur. Ouais. Bon, moi, le retour du inserts, Paul était de 300, bien joué. Franja, là, c'est incroyable. Comment des inserts. Ouais, des inserts, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Des mains, là. C'est qui doit de l'argent à qui, à la base? Bah, apparemment, Paul, il doit de l'argent parce qu'il a pas payé ses deux coups. C'est sûr, il a pas payé ses manches à fou. Oh là là. Oh là là. Rappelons que ce genre de jeu peut briser des amitiés depuis plus de 15 ans. Pour l'instant, c'est 1-0 pour Paul et ah, frère, il est chaud, hein? Oh, hey, gros, okay. Daryl, t'es chaud? C'est la veste en cuir. Glenn, il se passe quoi là? Du mal, hein? Comment il a plus fort sur les boutons? Est-ce qu'on peut dire que la veste en cuir vient de Garagor ou pas? Non, pas même. Du tout. Quand même pas. C'est déjà sur Amazon. Il était sur Amazon. Non, frère, il était concentré, mais ça, il devait dire non. Mais il gagne, non. Frère, avec mes vannes, il gagne. Non, non, il a choisi. T'as dit la vanne, il est en train de perdre. Ça veut dire non, le personnage, c'est Paul. Oh là là! Ok! Oh! Le frérot, il a fait que perdre ça! Ah non, c'est bon, non. Je pensais, ouais, c'est bon. Parce qu'il y a eu un coup en même temps, c'est pour ça. Alors, Daryl, est-ce que c'est ton jeu, Tekken? De combat? Okay. Ah, c'est mon jeu, il est chaud. Non, c'est pour comprendre. Il est chaud. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est Street Fighter. Ok, c'est oh là 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 là! C'est mon jeu, et il a mis la dernière patate. Merci, Glenn. Comment tu t'appelles, frérot? J'adore, Younes, il a juste dénié. J'adore. Ryan, viens. T'as entendu? Il a pas compris. Juste après. Il a pas compris le concept. Tu passes ta main dedans. Il a dit une revanche. Il avait le seum. Viens, assieds-toi là. Tu te fais la place. Allez, bouge. Assieds-toi, Ryan. Les gars, je vous explique. Ryan, ici, il a aussi une chaîne YouTube. Et lui, il s'est donné 10 jours pour être joueur pro, c'est ça? C'est ça. Voilà.
Est-ce que tu as filmé tes 10 jours d'entraînement où tu transpires, t'es en cinglé et tout? Ouais, mais j'étais dans la salle du temps, tu connais. Hein. Ah ouais, ah, donc déjà, j'avais dit, il s'est pas fait une génération. Regarde, parce que vu la coupe, c'est pas pour nous. Mais en même temps, il a énoncé la salle du temps. Ce qui fait qu'il a une autre culture propre. Ça va, c'est déjà ça. T'inquiète, moi je respecte. Je peux te parler de Goldorak, de détective. Alors là, on est pas si vieux, franchement. Ah, regarde, Goldorak, c'est là. Goldorak, l'invention de l'écriture et le feu, c'est pas ça. C'est Club Dorothée, Rama Adumi et compagnie, respectivement. Et voilà, tout ce qui se passe avant Gutenberg, c'est lui. Alors Ryan, tu nous viens d'où? On l'a fait la phrase. Allez Ryan, bienvenue en c'est, c'est quoi tes hobbies? Raconte-nous tout. Vas-y, comment on neige en même temps? En même temps, moi, on a fait plusieurs choses. Donc, Red Underlect. Ah, alors c'est l'usine. Tu imagines le problème commence. Je suis en deuxième année, on est business. Mais deuxième année supérieure. Deuxième année à Poudin. Ah, supérieure. Donc tu as plus de 18 ans. J'ai 22. Ah, machin, moi j'ai 22 ans. Ma copine qui nous fait. Incroyable. 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 Et quel est ton prénom? Zahara. Il a dit quoi? Il a voulu dire son prénom. Il a dit Roger. Non, c'est pas grave, concentre-toi. Encore deux ans. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Exator, allez suivre Exator sur YouTube. Ouais, il a Exador, 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 hombre. Avec un X en plus, je crois que c'est un autre genre de site. Attention. Alors, Exador. Allez voir des mangas. Alors, je vais vous dire, allez le suivre sur YouTube. Bon, il a pas besoin de moi, il a plus d'abonnés que moi, mais allez quand même le suivre sur YouTube. Donnez sa force. Exador. Tu peux les plier si tu arrives à les plier. X A D O R E. R E. Attention. Il y a un message subliminal dans Exador. Oh, ok. Ah, oh, le problème, on est le problème. Alors, on est passé de Tekken à Secret Story. Sur la chaîne Super NES, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, dans Secret Story. Il a un secret. J'ai avoué que j'aimais mon ex sur Tekken. Allez, on te laisse te concentrer. Parce que tu joues contre un mec West Coast. Alors, j'ai juste un truc. Il y a quelqu'un qui m'appelle depuis là tout à l'heure sur Instagram. Numéro 1, je suis occupé. Numéro 2, on se connaît pas assez. M'appelle pas. Fou. Pour rigoler. C'est un truc de fou. Je pense savoir qui. Non, non, c'est bon, je vais pas te montrer à toi. D'accord. Ta secrétaire, Yannick, un secrétaire Tekken. Tu veux dire allô, bonsoir. Allô, oui. Ça me fait d'accord. Alors, bonsoir. Alors, notons que Daryl restait sur Paul. Paul le pêcheur. Cette coupe, c'est quand même. Combien de temps? On te voit. Oui, mais... j'ai abandonné à la fin. Comment? Il est quelle heure? Ouais, on peut stopper à 30 max, de toute façon. Sinon, c'est trop long à faire comme montage. Précisons que Ryan n'a pas des abonnés pour rien, il maîtrise apparemment. Attends, Ryan, t'as pris qui? Devil Jean, ok. Ah, mais il y a du ping après. Ouais, bah oui, frérot. Bah voilà, les gens ils veulent être à la maison, ils veulent avoir des abonnés. C'est parce que c'est la PlayStation 4, le Bluetooth il va pas si loin. C'est solide des deux côtés, c'est solide. Oh, joli. Frangin, il l'a pris en mode attends, viens avec moi. Le skill. Oh, attends, c'est pas fini. Bravo, très Larry. Beau, très beau combat. C'est Versailles contre Anderlecht. Moi, là, maintenant, j'ai choisi mon camp, ça, vous savez. C'est mon quartier. Alors, nous avons Zer contre King. Let's go. Frère, il l'a pris par le bras, il lui a dit attends, viens, je vais t'amener où sont les Capricornes. Ah, mais frère, quand t'as un jean qui a du papier tombé sur lui, ok, il veut lui faire l'amour. Non, okay, ah, ok. Il y a eu des hashtags entre temps. Ah, ça joue, hein. En même temps, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu Daryl prendre un blanc, je me suis dit c'est pas pour ça. Est-ce qu'il y avait une raison? Ok, Daryl il est chaud. Pas grave. Y'a pas de mail, y'a pas de soucis. Ah, mais c'était Ken. Ah ouais, c'était Ken. Ah, mais oui, c'est pas le mot d'histoire. Il a cru qu'il allait jouer au jeu. Ah, mais c'est pas les gars, c'est pas les albanais et la fille qui disparaît. C'est que les albanais, ils sont débarqués en mode ouais, Stormy il est chaud. Je vais taper, tu te retrouves, je te défonce. Il a commencé le jeu, il a dit bon chance. Wouah, c'est quoi cette patate? Frère, waouh. Oh, pas mal. Est-ce qu'il va la placer? Oh, attends frère. Ryan vient de récupérer les 3 abonnés qu'il a perdu au deuxième. C'est parti. Peux-tu nous dire combien d'abonnés tu as Ryan? Il a plus de 11 000 abonnés. Il a plus de 11 000 abonnés mon frère. Ok, je te transmets. Eh, c'est un très beau combat. Hein. Ah, il est incroyable ce combat frère. Notons que la transpiration sur les manettes est un son paroxysme.
Ah frère, Daryl, c'est un truc de fou. Daryl, il a coupé la manette en deux, il joue comme ça. Il a tout à l'heure, il joue comme ça, frère. Et c'est une Switch. Il joue à la Switch. On donnerait une belle mention. Daryl, en finale, il colle les deux, tu vois. Alors attends, on va terminer le dernier combat. On va terminer avec moi contre Daryl, juste pour terminer, pour me faire bien défoncer. Non, t'inquiète. Et il m'a dit non, t'inquiète. Alors attends, Daryl, tu prends quelqu'un d'autre que Paul. Hein. Ah, j'ai un laisse-moi une chance, laisse-moi une chance. Tu crois que je me mets la place avec personnage? T'inquiète, tu peux rester, frère, reste avec nous. Alors attends, parce que. Il sait pas qui prend, mais. C'est bon. Ah, oh non, c'est chaud, frère, il m'a pris Steve. Ok. Frère, il m'a pris Steve. Et Ryan, tu mets quoi sur ta. Frère, c'est un gamin, il a pris Steve. Ça veut dire qu'il sait jouer, frère. Non, même pas. Arrête tes mythes. Frère, quand moi je jouais Steve. Donc je savais, frère. À une époque où je connaissais les touches, frère. Ah, tu fais des pranks aussi? Le genre de gars qu'on a envie de taper quand on regarde ça sur TikTok? C'est ça, c'est moi. Tu dis que ça marche pas, Bruxelles, comme ça. C'est pas là pour toi, moi. Non, mais pas les pranks dehors. Genre, je prank ma copine. Voilà, il prank ses amis. C'est normal, je l'arrête avec des tartes au petit déjeuner. Hein, toi, les pranks. Ah, moi sur ma chaîne, je mets des tartes à ma copine. Quel gamin! Ah, là, ça me fait un truc! Non, là, c'est vrai que vous t'inquiète, je vais mettre tout ça dans la vidéo, t'inquiète même pas. C'est du off, c'est du making c'est off, tu peux demander le DVD si tu veux. C'est parti! Lars contre le titulaire de la chaîne. Frère! Oh, pardon. C'est trop chaud, frère. Qui est Lars? C'est moi, mais j'ai oublié. Ah, t'as oublié où sont les boutons? J'ai oublié où sont les boutons. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. En sachant que l'art c'est sponsorisé par l'écran ouais. Belle. Viens, viens. Oh. L'art c'est plus long qu'à dans le 6. Hein. C'est triste à regarder. Ouais. C'est chaud. Hein. Ouais. Ouh, bien joué. Non. Allez. Faut-il préciser qui se bat en slip Daryl. Aimes-tu les hommes épilés? Non. Les questions de fou. Juste pour savoir. Quand on lui pose des questions comme ça, c'est quand il prend des patates. Hein. Oh, non, okay, là, il est chaud, il est marassum. Il a fait son coming out, il a raté. Oh. Allez, non. Hey. Sors de là. Il est en Mac Tyson. Allez, tu peux prendre un round quand même. Allez. Bien. Il s'est rappelé qu'il était sur sa chaîne, mais pas sur la chaîne à l'invité. Il s'est dit bon, un peu de neuf. Ok. Mais le lag, c'est trop compliqué. Comment il s'appelait encore le jeu avec le ninja là? Shenmue, c'était Shenmue ou quoi là? Shenmue, ouais, ou Tenchu. Ou Shinobi. Oh, ou Onimusha. Ah, il est fort, hein. Daryl a envie d'enlever sa veste, mais il sait pas comment l'enlever parce qu'après, enfin, qu'il l'enlève. Ninja, ok. C'est une combinaison Tekken. C'est pour ça que ça faisait rire. Vas-y, concentre-toi, tu peux prendre le jeu, frère. Ah oui, tu peux terminer avec une victoire, frère. Mais ça, 5000 euros. Ah ouais. Ah, il y a de l'argent à gagner. Imagine, maintenant, là, il y a 500 balles. Attends, Daryl, c'est 500 balles si tu gagnes. Let's go. Lunettes, oh, 500 balles, ils sont là. Elle est là, l'enveloppe. Je t'ai dit 500 balles si tu gagnes. Il a sorti les 500 boules. Il les a vraiment sortis. Merci à Wallonie Bruxelles pour ça. Il sait les demandes subsides. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Ah, je suis mort. Allez, allez, il s'est chauffé. Qui va remporter cette dernière partie avant? Oui, c'est sa chaîne. C'est sa chaîne. Bien joué, frère. On termine cette vidéo avec cette victoire. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez rigolé comme nous. Abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Et comme le fait qu'a tapé Younes, c'est moi qui ai gagné. Voilà, c'est le genre de truc. On a 11 ans. Maintenant, je rentre chez moi, je garde ma manette. Allez, les gars, tchuss.